Re-salut. Ça, c'est notre ami Deus. Et ça va pas très fort, la jalousie. Mais pourquoi elle répond pas? Elle me trompe, c'est sûr. Mais quoi? Eh oui, comme quoi, tout le monde peut être touché. Ouais, ça va, pout-pout de boîte à camembert. D'accord, je dis plus rien. Réponds-moi, pourquoi tu me réponds pas? Ça fait au moins 2 minutes que je t'ai envoyé ce texto. Allô chérie, allô, allô. Oui, comment? C'est la 15e fois que je t'appelle. Oh, t'es sûr? Ah, oh, pas autant. Est-ce qu'il va réussir à changer? Et comment est-ce qu'il va faire à la fin de la vidéo pour ça? C'est sûr qu'elle me trompe, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Faut pas d'autre possibilité, c'est obligé. Réponds-moi. Donc, exercice 1, la technique des hypothèses alternatives. Quand on part dans notre film négatif, ça nous met trop les œillères comme un pauvre cheval qui a ça. Et après, on n'arrive plus qu'à envisager le scénario négatif, la possibilité négative. On fait aussi un peu comme le taureau qui voit rouge, tu sais, puis après qui fonce sur le truc rouge. Donc je te pose la question, es-tu omniscient? Point E pour faire l'inclusif. Quand tu te fais un scénario où l'autre te trompe, te trahit, des choses comme ça, en fait, ça reste juste une hypothèse que tu fais dans ta tête. C'est comme si je te parle et d'un coup, on entend un gros boum. On peut se dire tout de suite, oh, c'est sûr, c'est un truc grave. On met les œillères et on fonce dans notre tête. On peut se dire, bah, peut-être que c'est un truc grave, mais peut-être aussi que c'est un arbre qui est tombé sans tomber sur quelqu'un. Peut-être que c'est quelqu'un qui a fait exploser son pneu. Peut-être que c'est un gamin qui fait exploser un pétard, par exemple. Donc concrètement, quand tu te fais ton scénario négatif de peur, dis-toi, ça reste une hypothèse. Et demande-toi, quelles sont les autres hypothèses? Les autres scénarios possibles, du pire comme tu le fais de base, au moins pire et même au meilleur. D'accord, je comprends, calmos pépitos, c'est pas parce que je me fais des films dans la petite tête que c'est vrai. Peut-être qu'elle est simplement en train de passer un bon moment avec une copine ou toute seule dans la nature, ou qu'elle a juste oublié de regarder son téléphone. Je réouvre tous mes chakras et mon quatrième œil et maintenant tout va bien aller. Peut-être qu'elle est en train de faire caca, un long caca, ça arrive à tout le monde. Oui, mais quand même, en situation, c'est chaud. Il y a toutes ces émotions qui montent en moi. J'ai beau essayer de me raisonner, quand même, là-dedans, c'est chaud la patate. Hein. Tout va bien aller, elle a juste oublié de me répondre, c'est rien. Mais pourquoi elle me répond pas? Pourquoi? Pourquoi? Je suis seul au monde. Tout est fini. Donc, deuxième exercice. Ton cerveau des émotions est très puissant à l'intérieur de toi. Rappelle-toi toujours de ça. Quelle que soit la situation, quand tu as des émotions significativement fortes, d'abord, il faut mettre de l'eau sur le feu de ces émotions. Donc, pour désamorcer la bombe de la peur, de la colère qui se tend en toi, entraîne-toi à désamorcer le corps. Pratique-la en même temps que moi ou juste écoute pour apprendre. Donc, si tu peux, ferme les yeux quelques instants. Commence déjà à relâcher un peu ton corps, à rentrer en contact à l'intérieur de toi avec les sensations de ton corps. Commence par ressentir les muscles de la tête et tu prends un moment pour relâcher tous les muscles de la tête. Puis tu peux ressentir le cou, les épaules, les bras. Prends conscience et désamorce ces parties du corps. Puis ressentir le buste, le haut du dos, le ventre, le bas du dos. Relâchez les muscles de plus en plus, en apprenant de plus en plus à rester focalisé sur ce que tu fais plutôt que le négatif. Te recentrer peu à peu en toi. Puis tu peux ressentir le bassin, toute la longueur des deux jambes, les deux pieds, et détendre tout le bas du corps. Bien sûr, c'est bien de t'entraîner plus longtemps et de bien apprendre comment faire tout ça. Je te mets le lien en description vers des vidéos que j'ai fait pour ça. Mais d'abord prioritaire, on continue les exercices suivants et après tu auras d'abord en priorité une vidéo à regarder. Avant la suite de ton programme, d'abord un flash spécial d'information. Laisse un commentaire pour l'algorithme YouTube, s'il te plaît. Tu vas pas te faire mal au doigt, c'est juré. Un like et partager la bonne nouvelle, tout cet amour autour de toi. Je compte sur toi, aide-moi. J'ai 4 petits Deus à nourrir à la maison. Hein. C'est parti pour la suite du programme. Oh, zénitude, plénitude. Ah, c'est vrai que je me sens plus détendu maintenant. Oui, mais... Le problème, j'avoue, c'est que j'ai une légère tendance à vérifier. À regarder ses messages, son MSN, ses emails. Qu'est-ce que je fais avec ça, moi?
Qu'est-ce que tu fais là? T'écris à qui? Montre-moi tout de suite. Merde, j'ai encore déconné. Ouais, ça va, hein, ça va. C'est facile de me juger. T'es qui pour me juger d'abord? Ouais, je suis sûr que tu l'as fait aussi un petit peu, hein. Ouais, si t'es là, c'est pas pour rien. Puis rappelle-toi, je suis omniscient, hein. Je sais tout, je vois tout. Hein. Exercice numéro 3, c'est la réduction progressive des vérifications. J'aime bien dire que la jalousie, c'est un peu comme une addiction. D'un côté, ça nous fait du mal, mais d'un côté, c'est devenu aussi comme plus fort que nous. Ça te dit peut-être vaguement quelque chose. On a ce besoin de consommer, de vérifier. Et que ça soit extérieurement, en surveillant le téléphone, les emails, des trucs comme ça. Et ou, comme notre pauvre Deus, en regardant souvent son téléphone, ce qui se passe, est-ce qu'on m'a répondu, tout ça. Mais ça peut être aussi de vérifier juste dans sa tête, quand trop souvent je cherche à cogiter pour savoir ce qui se passe, et pourquoi et comment la personne ne me répond pas, pourquoi est-ce qu'elle fait, ou est-ce qu'elle dit tel truc ou tel truc. C'est un cercle vicieux. Plus je vérifie, plus j'ai besoin de vérifier, et plus j'ai besoin de vérifier, et plus je vérifie, c'est un cercle infernal, sans fin, c'est pas là qu'est la lumière, je te le dis, c'est pas au bout de ce tunnel. Ce tunnel, ce n'est qu'une impasse qui t'amène vers le bas. Donc quand j'accompagne quelqu'un sur ça, jalousie ou addiction à autre chose, on peut pas réduire d'un seul coup. D'un coup, dire à partir de maintenant, j'arrête tout totalement durablement. Pour la plupart des gens, c'est hyper difficile. Donc il faut que tu réduises peu à peu. Ton salut, il est là. Il n'est pas dans savoir les choses, mais dans toi, être plus sécure avec le fait de pas savoir. Tu te fais un programme, tu te dis semaine après semaine, je vérifie un peu moins. Je sais pas, par exemple, selon là où tu en es, mais si tu vérifies en moyenne 3 fois par semaine son téléphone, tu te dis pendant 1 semaine, 2 semaines, le temps que c'est digeste, je fais en sorte de vérifier que 2 fois. Un truc qui est accessible. Pas trop difficile, sinon après tu vas craquer. Puis une fois que c'est ok, après tu te dis, eh ben j'essaie maintenant de passer à 1 fois. Puis le temps qu'il faut pour suffisamment t'habituer, ne va pas trop vite, sinon à nouveau, tu vas craquer. Puis une fois qu'une fois, c'est ok, passe à 0 et fais en sorte de tenir aussi. Si à un moment tu craques, c'est normal, c'est pas grave, remonte en selle dès que tu tombes de cheval. Puis t'as compris, c'est pareil dans ta tête. Si t'avais tendance à beaucoup cogiter pour savoir pourquoi, comment, machin truc, peu à peu crescendo, réduis ces cogites. Apprends à réorienter ton esprit sur autre chose, comme on va en parler dans l'exercice d'après hyper capital. Et après, la vidéo suivante va beaucoup t'aider à approfondir ça. Ça va, mon amour? Oh, je passais juste comme ça pour t'embrasser. Ça se passe bien, toi? Allez, je te laisse, sans aucune jalousie, bien sûr. Allez, à tout à l'heure. Oui, mais... Je veux bien arrêter de jalousiter. Oui, du verbe jalousiter. Tu verras, je viens de l'inscrire dans tous les dictionnaires du monde. Et quand même, je passe beaucoup de temps à penser à la personne, hein. Finalement, ça gravite dans ma tête, hein. Je fais quoi, moi, hein? Chérinette, je me demande ce qu'elle est en train de faire. Ah, qu'est-ce que je l'aime, ma petite chérinette d'amour. Qu'est-ce qu'elle peut bien ressentir en ce moment? Est-ce qu'elle pense à moi? Exercice numéro 4. Ce focus que tu détournes peu à peu de l'autre, réinvestis-le à te créer ton indépendance plus heureuse sans l'autre à qui tu tiens. Imagine que tu as ton propre puits où tirer ta propre eau à toi et qui est bonne. Est-ce que ça te rend pas plus sécure et indépendant que l'autre t'apporte son eau et peut-être qu'il te la retire? Concrètement, à partir de maintenant, chaque semaine, entraîne-toi à te faire des programmes sans l'autre, où tu te fais des activités qui te plaisent, que tu kiffes. Peut-être que tu en fais déjà et que du coup, tu peux en faire plus. Et si tu en fais déjà beaucoup, bah simplement dans ta tête, quand les vérifications sont là et les cogites qui gravitent autour de lui, reviens de plus en plus dans l'instant présent. Et tu vas voir que de plus en plus, tu vas apprendre à réorienter ton focus, à le réancrer dans là maintenant ce que tu es en train de faire. Crée-toi une vie encore plus kiffante sans l'autre, c'est ton point de départ. Je te rajoute dans la description une vidéo « Apprendre à être heureux seul ». Mets-la de côté, mais d'abord, il faut absolument que tu regardes en priorité la vidéo suivante. Ça marche, j'ai compris. Capiche Pepito. Alors, lundi, petite randonnée en solo. Mardi, alpinisme, je vais me faire les contreforts de l'Himalaya tranquillou. Ouais, en gardant la soutane. Bon, je risque d'avoir un peu froid au cul, mais... Mercredi, cinéma aussi, avec moi-même. Jeudi... Donc maintenant, si j'ai bien tout compris, exercice 1, les hypothèses alternatives. Je vais me rappeler à partir de maintenant que quand je me fais un film, bah ça reste que un scénario que je crée. Ça reste une hypothèse et que d'autres hypothèses sont possibles. Et je vais plus les envisager. Exercice numéro 2, quand j'ai l'émotion qui monte, d'abord je m'en occupe en pratiquant des exercices de zénitude, plénitude. Tiens d'ailleurs, je t'en donne dans la description, tu verras tout à l'heure. D'abord, il y a une autre vidéo à regarder. Exercice numéro 3, réduction
progressive, crescendo ou décrescendo, ça dépend comment on voit les choses, t'as compris l'idée, de vérification. Peu à peu, comme un alcoolique qui peu à peu réduit les doses jour après jour. Même si de temps en temps il y a des petites rechutes, c'est normal. Je m'accroche à mon slibard et je vais jusqu'au bout. Exercice numéro 4. Me défocaliser peu à peu de la personne et me créer une indépendance heureuse. Oui, mais... Comment apprendre à créer une indépendance heureuse? Pour être plus sécure du fait qu'on t'aime ou qu'on t'aime pas, il faut que tu t'apportes plus d'abord de l'amour à toi-même. Ça te rend beaucoup plus indépendant de l'autre. Dans la vidéo suivante, je vais tout de suite t'apprendre 4 exercices capitaux pour apprendre à s'aimer. D'accord, je comprends que le chemin, ça commence par moi. Plus je m'aime moi-même, plus je vais me sentir sécure. Il y a des vidéos complémentaires dans la description. Mais d'abord, la première pierre pour bâtir mon église de moi-même, apprendre à m'aimer. Je vois... Est-ce que tu as déjà fait en sorte de soutenir le bon Frédéric en laissant en même temps, ça va pas te faire une entorse, un like de l'amour, un commentaire de l'amour pour dire c'était génial, j'ai adoré, ou c'était pourri, j'ai détesté, comme tu veux. Mais au moins fais-moi un message pour l'algorithme YouTube, enfin Dieu, et à partager la bonne nouvelle, la bonne parole autour de toi. Et on se retrouve tout de suite ensuite, après ça, dans la prochaine vidéo. C'est parti mon kiki.